Gérald Galland tuait de sang-froid. Il a reconnu avoir éliminé 28 personnes. Pourtant, en apparence, il avait l'air d'un homme banal. Et c'est cet aspect qui a d'abord fasciné Luc Picard. C'est un monsieur qui n'est pas menaçant quand tu le rencontres. Mais en même temps, c'est un des tueurs à gages les plus prolifiques de l'histoire du Québec. Et c'est pas juste la quantité de gens qu'il a tués, 28, c'est la façon qu'il le faisait. C'est très froid, très méthodique. Il était le tueur attitré des Rock Machine lors de la guerre des motards dans les années 90. Ses victimes, surtout des membres du crime organisé. C'est rare qu'on ait des personnages aussi fantaisistes, aussi colorés, aussi fous, aussi dérangés, parce que ce sont des gens qui font des meurtres pour des peanuts, là, 5-10 000 $, et ils vont faire des meurtres au risque de passer leur vie en prison. Gérald Galland, un homme complexe et mystérieux, même pour son épouse. C'est un bon petit mari qui prenait soin d'elle à sa façon, puis elle a peut-être été un peu naïve. Ce qui est fascinant aussi, c'est que Galland, ça pourrait être notre voisin. Cette histoire-là parle d'un meurtrier québécois qui avait l'air de rien. Pour certains de ses assassinats, Galland a pu compter sur la complicité de sa maîtresse. C'est de l'amour sale, mais beau. Plein d'espoir. Bonnie and Clyde, un peu, qui est animée par le goût de l'aventure et de la, du côté noir de la personne. Vous voyez, quelque chose de Bonnie and Clyde. Durant des années, l'homme a échappé à la justice. Ironie du sort, c'est pour une histoire de fraude qu'il a été arrêté en 2006. Il a alors décidé de passer aux aveux et de devenir délateur. En 2009, il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le tournage au Québec se termine demain. Gérald Galland a été arrêté en Europe. L'équipe se déplacera donc du côté de Bruxelles pour recréer cette scène. Le film prendra l'affiche sur nos écrans en 2020. Ici Nabil Alexandre Chartier, Radio-Canada, Saint-Constant.